In Djibouti, the wind blows most of the time, and especially this location. As you can see behind me, this is the first wind farm. It consists out of 17 turbines. Wind powers the turbine that then generates the power. It gets transported down the tower to our overhead line that collects and transports all the power to our substation, then that transports it to Djibouti City. C'est un projet d'investissement de 122 millions de dollars et 17 éoliennes avec une capacité de production par chaque éolienne de 3,4. So this project is very special because it is the very first independent power project in Djibouti. And it is seen as being a big step towards the country realizing its goal of reaching 100% reliability on renewable energy by 2035. Depuis 2015, nous avons opté pour une utilisation 100% d'énergie renouvelable horizon 2035. Parce que nous avons estimé que nous avons le potentiel aujourd'hui à développer pour une production nationale. C'est pour cela que nous avons voulu développer nos propres énergies et notre production nationale à Djibouti. C'est vraiment un grand projet pour l'indépendance énergétique de Djibouti, mais aussi ça réduit l'impact sur le changement climatique. Ado, comment t'es-tu maintenu? L'île tani tambaro lo, l'île tambaro tableni. Ara palhara tani, baro kudra baro tani tan kudra yakweni. Wahoo tami tu amrimi anai buri amrimi anai. Ida tami na wena hadi hairon nani de. On a notre social responsibility, responsabilité sociale pour les villages, les gens qui vivent aux alentours des parcs éoliens. Même si Djibouti est une route de migration importante, le fait qu'elle est située le corridor de migration Vallée du Rift Mer Rouge, le site du parc éolien du Gubet est situé en contrebas des montagnes élevées qui sont situées dans le nord-est, me fait dire que ce site était un site potentiel pour l'énergie éolienne et très peu d'impact négatif sur la faune aviaire et surtout de la biodiversité. MIGA provided a guarantee of about $91.6 million to two of the investors in the project, using not only MIGA's own resources, but also utilizing the IDA private sector window. This is an instrument of the World Bank meant to help the higher risk projects. Sans MIGA, ces projets ne pouvaient pas être réalisés. C'est très simple. On présente des projets bancables, la banque nous demande une assurance. Si l'assurance ne dit pas « Ok, c'est un projet rentable et j'ai garanti », ça ne peut pas se faire. We know for a fact that other developers in renewable energy are looking into further independent power projects using Gubet as a model. The structuring, the legal arrangements, all have already been put in place and are being utilized as precedent. Tout l'arsenal juridique a été mis en place pour pouvoir attirer bon nombre d'investisseurs pour pouvoir produire à Djibouti, produire une production nationale d'électricité pour combler ce manque de production nationale, mais aussi avoir une électricité à moindre coût, pas cher pour nos concitoyens, mais aussi une électricité abondante, nationale et produite à Djibouti. This project is going to not only bring power to those people, but also meet this level of unmet demand and bring access to electricity to the everyday Djiboutian as a basic human need. Nous espérons qu'elle contribuera aussi au développement économique, socio-économique de Djibouti, qu'elle contribuera à une baisse des tarifs pour notre population. Et
qui contribuera aussi à cette sécurité énergétique dont nous voulons instaurer et implanter à Djibouti.